Vous avez, honorable, affirmé votre nationalité congolaise sans mâcher le mot. Congolaise d'origine. Mais en examinant le dossier des pièces, la juridiction est en train de se rendre compte que vous êtes de nationalité congolaise, mais vous avez une âme presque rwandaise. En ce sens que l'esprit est ailleurs qu'au Congo. Cette pièce renseigne la participation du peuple à une société microfinance rwandaise. Microfinance rwandaise. La pièce numéro 4 dans la même souffle. Lorsque vous exploitez vos minéraux, au lieu de faire l'expertise au pays, ce sont les minéraux sortis du sol congolais, mais vous faites appel à une expertise étrangère, rwandaise. Le collectif de la défense a reçu le mandat de leurs clients pour pouvoir vous adresser une demande de mise en liberté provisoire. Pendant que la zone était menacée par les terroristes de l'époque, nous on faisait un rapport à notre hiérarchie de l'évolution de la situation sécuritaire. Et c'est en cette optique et la hiérarchie au niveau provincial avait instruit notre commandant d'escadron de nous rappeler tous à l'état-major pour aller se tamponner à sac. Cette unité était une réserve du M23. Cette unité de la police là était une réserve du M23, placée là-bas stratégiquement de sorte que les jours où les M23 allaient ressurgir pour que justement ils viennent faire jonction avec ces petits policiers-là qui en réalité n'étaient que des rebelles couverts par les délits de la police pour la sécurisation de l'installation de SMD. Combien de policiers y avaient-ils été repris sur cette unité de service? C'est celle-là. Il y a ça aussi qui compris même la paix de l'idée. Oui, s'il vous plaît. Parce que ce sont les documents qu'il utilise et qu'il prend. Que dit-il de fait que, du fait que, alors qu'on parle des effectifs, tantôt de septembre, et qu'il y ait des bulletins de service où il n'est repris que 40 éléments. Alors que sur le terrain, il y a plus de 40, plus de 50, 60, 70 éléments. Par devant votre cours, les documents que moi j'ai publiés étaient tenus dans cette procédure de flagrance, ce qui ne se justifie pas, semble léser quelque part notre droit de défense. C'est ce qui permet aux ministères publics de poser toutes les questions sans même les orienter ni les encadrer. Toujours sur ces multiples tractations d'approche à l'égard de l'honorable de mon lapitude. L'audience du 23 mars, il a répondu pourquoi vous avez voulu rencontrer l'honorable de mon lapitude. Il a dit ceci. Parce qu'il y avait un espace, le coin dans les lieux où vous étiez chargé de sécuriser, qui s'appelait chez mon lapitude. Et il voulait vérifier si celui-là lui appartenait. De deux, il avait un forfait qu'il percevait et qui, depuis un certain temps, 100 dollars, qu'il ne percevait plus. Et comme l'honorable de mon acquitté était député national, il voulait le rencontrer pour que ces derniers fassent pression. Ce sont ces réponses. Alors pourquoi nous demandons la liberté provisoire pour notre client?
La réponse est très simple, c'est pour des raisons humanitaires. Notre client est sérieusement malade. Sa maladie n'a pas commencé maintenant, il a des antécédents médicaux, pathologiques. Il est de l'Assemblée nationale et l'Assemblée nationale est affiliée au CELCA et le CELCA détient tous les dossiers. Et donc ce que nous disons ici, ce n'est pas de l'invention. Mission TV, le miroir du monde. La police de Bias est rangée pour voir des légionnaires et vous présente les prévenus qui doivent comparaître à l'audience de ce jour. Commandant police de Bias, premier sergent major Mimba Malenga Basaoula. L'audience de la cour militaire de ce jour est reprise. Arme au pied, propre. Absolument, mon général. RP numéro 031/2023 en cause. Le directeur général du ministère public de la haute cour militaire et partie civile République démocratique du Congo, RDC, contre M. Mwangalutu Izi Edouard. Conseil principal, M. Mali Roi Badike Robert. Suivi pour les faits susceptibles de participation à un mouvement insurrectionnel. Espionnage pour détention illégale d'armes et munitions de guerre. Et satisfaction d'un cadre. Pour l'instruction, il n'a pas passé le principal Moucha Malewa. À la barre. Pour faire qu'on instruise, qu'on éclairait certaines zones d'ombre. Vous avez, et ça a été acté, que l'effectif des policiers affectés à la SMV variait. Le dossier de pièces enseigne que tantôt c'est 43, tantôt c'est 60, tantôt c'est 70 et même 80. Et vous avez aussi dit que tous ces policiers avec des armes de leur unité d'origine. Est-ce que vous, parce que vous avez, vous teniez une administration de votre côté, est-ce que vous, vous aviez des documents susceptibles de renseigner que tel policier provenant de telle unité a tel type d'arme qui lui est personnel? Arme qu'il devait, avec laquelle il devait rentrer lors de la relève. Et je vous ai dit que quand je suis arrivé pour mon mandat à Dieu, j'avais rencontré que les policiers qui avaient des armes dans l'unité. Et ces armes, étant de les mains des policiers, mais ce n'était pas des armes individuelles pour les policiers. Et c'est à ce moment que j'avais dit que les policiers qui venaient de renfort, ce sont peut-être certains venaient avec les armes de leurs unités. Mais l'unité coûte-t-elle une dotation organique en armes à partir de du centre, à partir du sommet, on sait vérifier que telle unité
a à sa disposition autant d'armes de guerre et de telle qualité et autant de munitions? Est-ce que votre unité avait une dotation reconnue et affectée par la hiérarchie? Je sais que j'ai précisé que je les avais rencontrés sur place, mais pendant que j'y étais, je me souviens qu'il y a quelques armes que nous avons envoyées en provenance de la province pour vous renforcer. Et qui de... Attention, les armes... 47, pour les nombres, je vais peut-être voir les documents par lesquels les armes ont été envoyées. Parce que c'est le seul de vous. À la réponse à la réquisition d'informations adressée à... Anne-François-Xavier, commissaire divisionnaire adjoint. Il est incapable, selon sa réponse, de dire exactement combien d'armes parce que l'officier chargé de la logistique n'était pas présent au moment où lui devait confectionner la réponse à la réquisition d'information lui adressée par l'auditeur militaire supérieur du Nord-Kivu. Bien. Greffier, vous pouvez acter qu'il y avait des armes de dotation organique de l'unité, mais le prévenu est incapable de donner des précisions quant à la quantité et à la qualité. Est-ce que c'était toujours des AK ou il y avait d'autres... D'autres armes. 47, mon général. Seulement. Et les armements létales de la police. Deux. Et comment l'agir la précision parce que c'était depuis la police. Les armes non létales. Oui, quelles armes non létales? Quel type d'armes? Bien. Vous avez dit que vous avez reçu l'ordre de quitter la SMI. Quelles sont les circonstances dans lesquelles vous avez reçu cet ordre et comment avez-vous exécuté cet ordre? Oui, mon général. Pendant que la zone était menacée par les terroristes de l'époque, nous on faisait un rapport à notre hiérarchie de l'évolution de la situation sécuritaire. Et c'est en cette optique que la hiérarchie au niveau provincial avait instruit notre commandant d'escadron de nous rappeler tous à l'état-major pour aller se tamponner à sac. Parce que on venait de tirer l'arme de policier par les inconnus dans cette entité. C'était des policiers qu'on avait tirés à la nuit de. Ici sur 7, ils étaient des policiers de l'unité territoriale. Est-ce que c'était la première fois? Est-ce que c'était la première fois que vous receviez des menaces extérieures? Ce n'était pas la première fois, mais cette menace était particulière. Parce que les menaces qu'on recevait, c'était des bandits armés,
ont l'identité, mais cette fois-ci, c'était un mouvement insurrectionnel qui était bien identifié. Alors, la hiérarchie a pris la décision de nous ramener jusqu'à un endroit qui était un peu sécurisé. C'est pour ça que vous avez demandé de quitter la SMB là où vous étiez détaché pour aller à Saga. Le périmètre, une question traditionnelle de la police. Et quand il y a des menaces, à deux reprises, vous avez sollicité le renfort. La première fois, c'était des unités environnantes de la police qui sont venues. Et la deuxième fois, ce sont les FARDC qui sont venus et qui ont passé avec vous 6 mois là-bas, vous l'avez dit. Mais curieusement, lorsqu'il s'agit d'une troisième menace, vous ne voulez plus, vous quittez le ressort, donc vous abandonnez la mission pour que une force plus forte que vous. Mais pourquoi est-ce que c'était la hiérarchie pourrait répondre, vous pouvez aussi répondre, pourquoi ne pas rester sur place et avoir le renfort des FARDC afin de faire front commun contre cette menace? Moi, je pense que notre hiérarchie savait déjà notre force et peut-être qu'elle était renseignée sur la force de l'ennemi. C'était renseigné. Et je pense qu'ils s'étaient renseignés sur la force de l'ennemi et c'est pour laquelle elle a jugé mieux que nous pour amener. Parce que ce n'était pas nous seuls. Il y avait même les policiers de Kitchanga qui étaient aussi ramenés. C'est pour ça que nous étions assez. La unité, cette unité était une réserve du M23. Cette unité de la police-là était une réserve du M23, placée là-bas stratégiquement, de sorte que les jours où les M23 allaient ressurgir, pour que justement ils viennent faire jonction avec ces policiers-là, qui en réalité n'étaient que des rebelles couverts par les tenues de la police. Voilà la raison pour laquelle, pour une fois, et sur instruction de l'autorité du commandement militaire, qu'on les a enlevés avant qu'ils ne puissent faire cette jonction-là qui était prévue dans le plan du M23. Ok. Vous avez dit à la haute cour que vous avez rejoint Saké avec tous vos policiers, tous les policiers sous vos ordres. Est-ce que vous pouvez encore le confirmer au jour d'aujourd'hui? Mais que dites-vous alors du commissaire divisionnaire adjoint Abavan Hang, qui, répondant à la réquisition de l'auditeur supérieur de notre tribu, donne la liste des policiers qui ont rejoint le M23, policiers qui étaient sous votre commandement. On peut vous donner lecture, il dit, subsidiairement à ma correspondance temps, donc du 20 février 2023, relative à la défection de certains éléments PNC en faveur du mouvement terroriste M23, je vous transmets ici, pour disposition utile, la liste additive des éléments concernés par cet objet. C'est une liste de 8 policiers. C'est la pièce 5 de la sous-farde 5 aussi. Donc une liste de 8 policiers et une autre liste de 7
7 policiers, donc au total 15 policiers qui étaient sous votre commandement. Vous prétendez avoir rejoint Saké avec tous vos hommes, alors qu'il y en a 15 sous votre commandement qui ont fait défection. Qu'en dites-vous ? Je précise bien que j'ai quitté la fac tous les éléments qui étaient à ma disposition. Je les ai amenés à Sacre, l'endroit de cantonnement, comme c'était indiqué. Nous sommes arrivés le 8. Le même jour, le commandant escadron, parce que c'est à lui qu'on avait donné la mission de nous encadrer à Sacre, il est arrivé sur place avec d'autres policiers qui sont venus vers moi. Je lui ai présenté tous les éléments qui étaient à mon commandement. Ce qui est passé après moi, mon général, je ne peux pas savoir les défendre ou les expliquer. Les éléments qui étaient à votre disposition provenaient des unités de la police. Oui, mon général. Ok. La question que nous allons vous poser ne vous concerne pas personnellement, parce que elle doit être posée plutôt à vos commissaires provinciaux. Il y a ici une liste des policiers commis à la sécurité des installations de la société minière de Sunzu. Commandant Koumaïmi, vous n'étiez pas encore là. Unité d'origine, section administrative PNC Kitanga. Commandant Bizimungu Kagabo Aloïs. Unité d'origine, rien. Il y a un vide. Et il n'est pas le seul. Agent de police de deuxième classe, Salambongo Samson, même mot, pas d'unité d'origine. Moindo Shekibuya, pas d'unité d'origine. Kamonyo Butogogo, pas d'unité d'origine. Et ce n'est pas seulement sur la liste en annexe d'un seul bulletin de service, il y en a encore une autre. Brigadier Bimenimana, Sengi Yumva Samba Amos, pas d'unité d'origine, ainsi que dans la liste de 2010, du numéro 37 au numéro 43, c'est-à-dire Kabuya Muindo, Omar Mushiwa, Ndaïsa Bandabo, Safi Bouengeri, Siaka Mupenzi, Mwire Kandabo, Akizimana, Ruabaku, Ruabaka, Vincent, tous pas d'unité d'origine. Maintenant, la question à laquelle vous pouvez répondre est la suivante. Chaque bulletin de service, qu'on retrouve des éléments sans unité d'origine. Oui. Pratiquement dans chaque bulletin de service, qu'on retrouve des éléments de policiers qui n'ont pas d'unité d'origine notifiée. Que dites-vous des unités, des policiers qui étaient sous vos ordres, sous votre commandement, et dont les unités d'origine n'étaient pas spécifiées? Heureusement, mon général, que je n'étais pas là à cette époque. Même sur la liste en annexe au bulletin de service que vous aviez présenté et où il est écrit que vous étiez le commandant, il y a aussi des policiers sans unité d'origine spécifiée.
Je pense que au niveau de notre département chargé des ressources humaines, on peut être bien placé pour répondre à cette question en général. Oui, justement. J'ai dit que les policiers que j'ai commandés étaient des policiers parce qu'ils avaient leur numéro matriculé. Et c'est sur base de ça que moi je les considérais comme des policiers réguliers. Ok, mais vous saviez que leur unité d'origine n'était pas spécifiée sur la liste en annexe? Moi, j'en râle sur les députés de service, mais sur les listes nominatives, on essaie de faire chaque policier donner son unité d'origine. Parce que moi, à mon niveau, quand j'ai pris le commandement, je faisais les listes nominatives. Il y a une réplique qui reprend l'unité d'origine de tout un château, de tout un policier. Et c'est ce qu'on faisait. Et sur la liste nominative que je faisais, il y a cette rubrique que chaque policier a son unité d'origine. Et je pense que parmi les policiers que vous avez cités, peut-être nombreux ne figurent pas dans la liste. Oui. Vous avez été. On a affecté des policiers sous votre commandement. Vous n'aviez pas autorité d'en recruter ou de prendre des policiers qui vagabondaient pour les intégrer dans l'unité, n'est-ce pas? Ok. Les listes en annexe des bulletins de service reprennent des noms de policiers sans unité d'origine. Et ce sont des listes signées par les commissaires provinciaux. Ce n'est pas vous. Ce n'est pas vous. Et la question était seulement de savoir, vous qui les avez utilisés, si pour vous c'était réellement, en dépit du fait que tout le monde prétendait avoir un numéro matricule, si dans l'exercice de leur fonction, selon vous, qui êtes un policier bien formé, un commandant avéré et aguerri, si vous aviez constaté que c'était réellement des policiers réguliers ou des infiltrés. Monsieur le directeur de service, les noms et le numéro matricule et la personne physiquement, je n'avais pas un autre moyen que je pouvais utiliser pour savoir si celui-ci n'est pas tel ou celui-ci n'est pas tel. Parce que quand on me donnait les côtés, je faisais la parole pour voir est-ce que tel est présent, oui. Est-ce que tel est présent, oui. C'est comme ça que je travaille. Les armes que vous utilisiez, vous avez dit que c'était la dotation des policiers qui amenaient de l'aide, n'est-ce pas? Je ne l'ai pas précisé. Oh, parce que, en général, nous étions dans une zone opérationnelle et nous n'avions pas un magasin d'armement. D'où l'arme devait être dans l'armée d'un policier qui est en service. Et calmement, il y a ce qu'on appelle la dotation organique, c'est-à-dire les armes rattachées à l'unité. Et il y a des dotations individuelles que chaque policier ramenait de son unité. De sorte que quand ce militaire détaché rentrait dans son unité, il rentrait avec son arme. Mais l'unité en tant que structure de la macro-structure avait son patrimoine à lui. Maintenant la question. Est-ce que votre unité à vous avait seulement les armes de l'unité que
les militaires, les policiers utilisés et laissés dans l'unité à leur départ, ou avaient-ils des armes qu'ils ramenaient de leurs unités d'origine, qu'ils amenaient et qu'ils ramenaient, et qui repartaient avec ces armes-là. Cette question est cruciale parce qu'il y a des éléments, des électrons libres qui semblent être comme des électrons libres qui viennent et qu'on ne sait pas bien contrôler. En Lingala, on dit « soldat batang araik bogumba ». On doit connaître le militaire, il a quoi, le policier, il a quoi pour faire cette mission. Et quand la mission se termine, le matériel qui a été mis à sa disposition par... Voilà. À cette question, je disais qu'il y a des armes que j'avais trouvées dans l'unité, mais pendant que j'étais dans l'unité, on nous avait encore porté d'autres armes en provenance de la province pour renforcer ces armes que nous avons là-bas. Mais quand vous avez quitté, ils sont repartis avec ces armes-là. Mais la dotation de l'unité, le patrimoine de l'unité, vous l'avez abandonné où? Et fournissez la preuve de cet abandon. Général, quand j'ai quitté l'endroit où j'étais détaché, moi, tous les éléments et tous les matériels qu'on utilisait, nous sommes venus avec jusqu'à ça où on nous avait demandé de nous cantonner. Et les armes, parce qu'elles devaient être gardées par une structure de votre unité. Et à ça, où sont parties ces armes? Toutes les armes étaient sous la responsabilité du commandant Estado. Avec les armes que vous avez amenées. Combien d'armes avez-vous amené et combien d'armes avez-vous ramené quand vous avez décroché, quand vous avez quitté l'unité? Général, je précise que je n'avais pas amené les armes dans l'unité, mais je dis, quand j'ai rapproché, j'ai ramené avec moi toutes les armes qui étaient dans l'unité, dont cet emploi que j'avais déposé à Sacre dans les mains du commandant de Sacre. 53 quoi? Les armes. 53 les deux armes de la police. Les deux armes, les cougars, vous n'avez pas ramené. Quand vous étiez affecté, que vous alliez pour le service, vous étiez porteur d'un bulletin de service. Vous étiez parti avec un bulletin de service en appui à votre affectation pour tous les policiers. Confirmez-vous? Service, oui. Donc, pour la protection, pour la sécurisation des stations de SMD, combien de policiers y avait-il été repris sur ce bulletin de service? Mon général, je disais que l'effectif variait. Les nombres, donc l'effectif variait toujours. Bon, le bulletin que vous avez présenté, vous en avez une copie? Oui, mon général. Et sur ce bulletin, il y a combien d'éléments sécuritaires? Il y a l'effectif qui comptait 79 éléments. Il y a aussi les bulletins qui comptaient 70 éléments. On peut voir ce bulletin là. Le vôtre. Pour poser la question, nous partons des faits avérés. Et comme il y a eu une liste en annexe de tels services que vous aviez présenté, des questions vous seront posées par rapport à cette liste-là. C'est celle-là. Il y a ça aussi qui compte même la paix de l'idée. Oui, s'il vous plaît. Comment on pose l'audience? Sur cette liste, il y a 80. Et vous dites que les bulletins de service étaient renouvelables. Et pourtant, nous avons des bulletins de service là qui reprennent 40.
43 éléments, jamais plus de 50. Qu'en dites-vous? Je suis en train de répondre selon ce que moi j'ai utilisé. Parce que là, le concept principal, Mouchamaliba, c'est vrai, et ce n'est pas lui, mais parce que ce sont les documents qu'il utilise et qu'il prend. Que dit-il de fait que, du fait que, alors qu'on parle des effectifs, tantôt de 70, et qu'il y ait des buffets de service où il n'est repris que 40 éléments. Alors que sur le terrain, il y a plus de 40, plus de 50, 60, 70 éléments. Qu'est-ce qu'il dit? Par devant votre cours, les documents que moi j'ai utilisés. Vous avez un document qui reprend bien fait, il a trouvé la situation telle que décidée par sa hiérarchie. Mais curieusement, il vient de dire ici qu'en tant que policier, il ne pouvait pas s'empêcher d'investiguer. En tant que policier, il reconnaît qu'il pouvait investiguer. Mais pourquoi, dans ce cadre-là, l'investigation en tant que policier? Nous disons qu'il faut même aller, il faut même faire plus et mieux. Quand on lui a posé la question de savoir quelle était sa mission, il a dit que c'était pour sécuriser et puis il avait une mission particulière. Était de s'assurer que tous les policiers qui étaient déployés étaient en ordre avec l'État congolais. Car avant, on disait qu'il y avait des policiers porteurs des armes, des porteurs de tenues, alors qu'il n'était pas de policier. Ça signifie qu'il y avait toujours des soupçons sur la présence des policiers irréguliers dans cette unité. Parce qu'il y avait des bruits, il dit qu'il y avait des bruits. Effectivement, il y avait ces soupçons. Sa hiérarchie. C'est elle, il dit toujours, c'est elle, c'est la hiérarchie qui avait décidé les militaires, qui avait détaché les militaires là-bas, et lui est allé trouver les militaires déjà décidés. Mais curieusement, cette hiérarchie qui a décidé, qui a la responsabilité de décider, qui a décidé les militaires, lui demande à lui de vérifier s'il y avait des militaires. Alors que c'est elle qui avait venu en principe. Elle devait déjà, ce sont des militaires qui étaient, il était la paix à l'hiérarchie. Mais pourquoi on va lui demander encore? Parce qu'il dit que non, c'est la hiérarchie. À lui de vérifier s'il y avait des irrégularités. C'est-à-dire que quand on lui demande de vérifier, il avait une marge de pouvoir d'appréciation. Et quand il vérifie qu'il y a des irrégularités, il devait faire rapport qu'il y avait des irrégularités. Il avait le pouvoir de les chasser. De tourner ses jetés la tête d'après lui. Il avait même le pouvoir là-dessus de le faire partie de l'unité. Mais pourquoi dans ce cadre-là, parce qu'il pouvait investiguer, parce qu'il pouvait vérifier, c'est vrai, l'unité irrégulière. Pourquoi, en tant que policier averti, comme je l'ai dit, il ne pouvait pas dire à sa hiérarchie, relever le fait que dans cette unité-là, il y avait majoritairement des policiers qui étaient les anciens M23 et M22 dans ce cadre-là de ses pouvoirs d'investigation qu'il avait en tant que policier. Dans ce cadre de ses pouvoirs qu'il avait, qu'on lui avait donné de vérifier s'il y avait une unité irrégulière. Pourquoi, même s'il ne faut pas le faire partie, mais au moins signaler, relever, attirer l'attention de sa hiérarchie sur le fait que cette unité-là dans laquelle vous m'avez envoyé, où vous m'avez demandé d'investiguer s'il y avait une unité irrégulière. C'est vrai, j'ai trouvé qu'il n'y a pas de irrégulier, mais ce sont dans la majorité des militaires anciens du M23. Pourquoi ne l'a pas pu relever auprès de Yadisa? Parce qu'il avait quand même la latitude et le pouvoir d'appréciation et de l'entreprise. Pourquoi n'a-t-il pas fait? Je peux peut-être dire que je n'avais pas dit qu'il y avait des policiers majoritairement ici de ce groupe. Je
Je suis arrivé dans le métro, comme je le disais. Je ne pouvais pas discriminer qui que ce soit. C'était personne. Je vais encore une fois rappeler au prévenir le commissaire qui réponse à la question de l'existence. Toujours sur ces multiples tractations d'approche à l'égard de l'honorable de moi, la culture. Le 11 et le 23 mars, il a répondu, pourquoi vous avez voulu rencontrer l'honorable de la culture? Il a dit ceci. Parce qu'il y avait un espace, le coin dans les lieux où j'étais chargé de sécuriser, qui s'appelait chez moi la culture. Et il voulait vérifier si ces lieux-là lui appartenaient. De deux, il y avait un forfait. Il percevait et qui, depuis un certain temps, 100 dollars, et il ne percevait plus. Et comme l'honorable mandataire était député national, il voulait le rencontrer pour que ces derniers fassent pression. Ce sont ses réponses. Si on revient à l'affaire d'audience du 23 mars, moi j'ai noté, je crois au talent de notre député, et là aussi noté. La préoccupation est la suivante. L'unité et leur commandant sont ceux des éléments de la police nationale congolaise payés par l'État. Il n'y avait aucun devoir entre la société ou les membres de la société vis-à-vis des unités. De deux, ces éléments, elle a été affectée pour la sécurisation de ces lieux-là. Et les commandants et les éléments étaient liés par le bulletin de service. Chez le militaire, il y a ceci. Ce que nous apprenons par la lecture. Chaque fois que vous avez votre bulletin de service, votre pouvoir ou les attributions sont limitées. Est-ce que le bulletin de service qui affecte le commandant et ses unités avait donné mandat au commandant et à ses unités d'entreprendre des contacts avec les députés nationaux ou provinciaux en réclamation de quelques droits? C'est ce que nous devons savoir. Attendez. Mais le guichet ne m'avait pas donné l'autorisation de ne pas figurer dans le guichet de service. Mais il y a ce qu'on appelle police de proximité. Et c'est pour que nous étions en train de travailler dans une zone très, très. Dont la population a toujours été hostile. Merci. Si je peux vous porter le mandat ou l'autorisation d'entreprendre quelques mensonges. Il peut-il affirmer devant la cour qu'il a alors violé les consignes militaires ou ce qui a appelé comme donc par la loi violation des consignes, c'est-à-dire qu'il a outrepassé le pouvoir et les limites qui lui ont été données par le bulletin de service. Président, il faut que nous n'avons plus beaucoup de patience à prendre la parole pour répondre méthodiquement, mais nous essayons d'y aller d'une manière vague et brève. Monsieur le Premier Président, on nous a parlé du désordre ou du ténèbre. Monsieur le Premier Président, si ce ténèbre existe, c'est parce qu'il y a un auteur. L'auteur de ce ténèbre, Monsieur le Président, c'est une autorité à qui nous devons malheureusement du respect. Nous ne savons pas qualifier ceci de ténèbres. Il est vrai que nous sommes dans une procédure de flagrance, mais malheureusement, le ministère public veut en profiter, je le dis ainsi, comme la partie publique,
pour nous ramener d'une manière dispersée. Mais en flagrance, on ne va pas parler de qualification. Mais il faut qu'il y ait un fait déclencheur. À partir du fait sur lequel nous pouvons même imaginer notre défense. Nous savons que nous sommes en train d'instruire, parce que la Cour est déjà saisie. Nous sommes en train d'instruire quel fait que le ministère public veut dire à quelle infraction. Nous n'allons pas l'obliger de le faire, parce que nous, là, nous sommes en flagrance. Et deuxièmement, monsieur le premier président, c'est vrai que votre saisine a été justifiée par le revenu de flagrance. Mais cette flagrance ne vous lie pas. Ne vous lie pas, monsieur le premier président. Nous pouvons basculer dans la procédure ordinaire pour le bien fondé de ce procès, pour que ce procès soit équitable. Vous avez senti tous la nécessité, le besoin de faire comparer certaines personnes. Peut-être pour nous d'avoir certaines pièces. Mais nous sommes collés par cette procédure de flagrance qui permet malheureusement au ministère public et à la République de manipuler les réponses de notre pays. Là, autour, nous avons besoin de faire comparer certaines autorités. La requête est reçue, la autorité va apprécier. Mais si vous voulez faire comparaître, que ce soit pour la manifestation de la vérité, parce que nous sommes en train de vérifier les faits, vous avez la latitude de faire. Ne vous plaignez pas. Non, ne nous plaignons pas d'être tenus dans cette procédure de flagrance qui ne se justifie pas. Semble léser quelque part notre droit de défense. Parce que c'est ce qui permet au ministère public de poser toutes les questions sans même les orienter ni les encadrer. Alors, si les carrières par devant vous, prévenu, affecté depuis 2022, commandant de la garde de sécurité de la société minière d'Assun d'Arubaya, territoire de Massissi, au nord Kivu, en vertu du bulletin de service. Signé par sa hiérarchie, d'où il a été remplacé régulièrement par l'armée suite aux menaces de la front de la rébellion du M23. Et n'étant pas des services sur le lien indiqué, plusieurs jours après qu'il sera arrêté, suite à la découverte d'un cache d'armes par une force d'autodéfense, je veux dire où le prévenu a été remplacé par le parti. Et c'est fait, il a été arrêté à Chimina Kinshasa, traduit devant la haute cour, selon les allégations premières du commissaire public pour trahison. Tel est le condensé des faits que nous avons relevé par rapport à cette instance. Monsieur le Premier Président, honorable membre de la Cour, Monsieur le vicaire général, nos moyens sont axés sur un moyen, un point unique qui est l'incompétence complète. Monsieur le Premier Président, honorable membre de la Cour, nous axons notre demande sur un point unique qui est l'incompétence de la haute cour. Comme vous pouvez le constater, monsieur le président, normalement de la Cour, l'article 82 de la loi numéro 023/2018 novembre 2002 stipule ceci. La haute cour militaire connaît en premier et en dernier ressort des infractions de nature commises par des personnes énumérées à l'article 120 du présent code. À lire l'article 120 de cette loi, l'article 120 dit exactement ceci. Sont justiciables de la haute cour militaire, les officiers généraux des FARDC et membres de la police nationale et du service national des mêmes rangs. Les personnalités justiciables par état de la Cour suprême de justice pour des faits qui relèvent des juridictions militaires. Les magistrats militaires, membres de la haute cour militaire, de l'auditorat général, des cours militaires opérationnels, des auditorats militaires pré-secours. Comme vous pouvez le constater avec moi, l'économie, mieux, la combinaison des articles, soustrait
systématiquement notre client de la compétence de la haute cour militaire. Donc, parmi les personnes visées par votre haute juridiction, les commissaires principaux de la police nationale n'est nullement justiciable de la haute cour militaire. Monsieur Moussa Malioura, qui est voici, ne se trouve pas parmi les personnes visées ou jugées aptes à comparaître comme justiciable devant la haute cour militaire. De ces faits, la cour s'avisera et se déclarera incompétente et renvoyera notre client devant son juge naturel, partant du principe nul ne peut soustraire un justiciable sans raison légale valable de son juge naturel. Il avait incompétent et renvoyé notre prévenu M. Amaliwa devant son juge naturel. Nous avons dit M. Amaliwa. Amaliwa pensait que pour lui, le procès n'avait pas encore commencé par le fait qu'on interrogeait avant tout son compte-prévenu. Alors que le procès avait commencé pour toutes les parties, pour tout le monde. Et l'article 246 du Code du terme militaire dit ceci. Nous allons le lire, nous allons lire la disposition de l'article 146 à l'intention de la partie de Jean-Marie. Des exceptions et immunités. L'unité est incitante. Article 246. Quelle que soit la manière dont elle est saisie, la juridiction devant laquelle le prévenu est traduit apprécie sa compétence d'officier ou surdéclinatoire. Surdéclinatoire, ça signifie quoi? Ça signifie que la juridiction a apprécié. Elle ne trouve pas de problème, mais une des parties trouve qu'il y a un problème et elle corrige l'exception déclinatoire de compétence. Si les prévenus, nous continuons l'article, l'article en son alinéa 2. Si les prévenus ou le ministère public entend faire valoir des exceptions concernant la régularité de la saisine ou de l'unité de la procédure intérieure à la comparution, il doit à peine dire ses habilités et avant le débat sur le fond, déposer un mémoire unique. S'il y a plusieurs prévenus, tous les mémoires doivent également être déposés avant le débat sur le fond. Le tribunal statue par un seul jugement motivé. S'il y a plusieurs prévenus. Mais curieusement, nous sommes en train de débattre. Nous sommes dans le fond de cette instruction. Et la juridiction, la haute cour, a déjà apprécié sa compétence depuis longtemps. Et il y a eu même des déclinatoires. La cour a pris un arrêt avant du droit. Il dit, la cour dit, cet arrêt-là, je l'avais. L'officier militaire du ministère public. Contre les prévenus, Mohamed Tchou Izi Edouard et le commissaire provincial Moussa Malioura. Mais la cour peut être aussi cette question. Revenir après les débats, non, c'est autre chose que la procédure telle que vous. Mais par élégance. Par élégance, parce que cette question est déjà close. La cour. Ne va plus venir. Ce n'est plus le moment, c'est déjà passé. Nous sommes dans le débat sur le fond. Cette question ne peut plus être posée. Par élégance, nous allons peut-être que vous n'avez pas compris. C'est pas que vous n'avez pas compris. Peut-être que vous avez perdu de vue. Par élégance. Vous avez lu l'article 120 pour cela. Mais nous allons vous lire les articles
104-105 du Code de sécurité qui prennent les mêmes dispositions que l'article 100 de l'ordonnance portant organisation, fonctionnement des juridictions de l'ordre judiciaire. Les articles, l'article 104 du Code du système militaire, la compétence personnelle des juridictions militaires est déterminée par la qualité et les grades que porte le justiciable au moment de la commission des faits incriminés ou au moment de sa comparution. C'est la partie que vous avez prise. 5. Article 105. Lorsqu'il y a pluralité de grades ou de rangs différents, il est tenu compte du grade et du rang le plus élevé. L'article 100. Sans préjudice, sans du code de relations compétences judiciaires, sans préjudice des dispositions des articles 120 et 121 du code judiciaire, lorsque plusieurs personnes, justiciables de juridiction de nature ou de rang différents, sont poursuivies en raison de leur participation à une infraction ou des infractions connexes, elles sont jugées l'une et l'autre par la juridiction ordinaire compétente du rang le plus élevé. Pluralité des preuves. C'est les cas de stress. Quand est-ce qu'il y a pluralité? Il y a deux cas. En cas de participation criminelle, ou en cas de connexité de fait. Vous avez dit, quand on a découvert la découverte des caches d'armes dans la concession SMB à Ubaïa, dont Moussa Madura avait la responsabilité de sécuriser, que Moussa Madura avait la responsabilité de sécuriser. Mais si on interpelle Mwanga Tutu qui est à Kinshasa, à cause du fait que dans sa concession, on a découvert les armes. A fortiori, celui-là même, les commandants de la police, de l'unité de la police, qui avait la charge de garder ces installations, on peut pas intervenir. Voilà pourquoi il y a connexité de fait, et même peut-être participation. Nous allons évoluer. Mais il y a pluralité de nous. Or, il y a soit connexité, soit pluralité. Et pour la bonne administration de la justice, la loi qui est comme notre Bible a estimé que dans les cas d'espèce, c'est la juridiction qui doit juger le prévenu, le plus gradé, qui est compétente pour juger celui dont les faits sont connexes ou celui qui est en participation criminelle avec cette loi. Donc, nous avons dit que ça, c'est simplement par élégance. Si vous aviez à poser cette question, ces problèmes-là, à l'introduction, si vous aviez déposé votre mémo comme la partie Mwanga Tutu, c'est comme ça que nous vous aurions répondu et là, vous aurez donné raison. Mais comme vous ne l'avez pas fait, en ce moment, ce stade-là, nous avons déjà dépassé, vous ne pouvez plus poser le problème de la compétence, quoi, de cette culture. C'est déjà dépassé, c'est déjà tant de fonds. La loi l'a déjà dit à l'article 246. Nous avons dit. La position des uns et des autres, mais à la dynamique des débats, comme la Cour a l'obligation légale d'apprécier sa compétence, elle le fera dans sa décision finale, parce qu'au stade actuel, ça ne sert à rien de compliquer les choses. Voilà pour le premier. Prévenu, Mwanga Tutu Isidore Renoir. La question est prise pour faire comparaître pas devant la Cour les signataires de l'évidence de service. Passé la Cour s'était présentée sur la personne et il y a une réquisition à expert qui a été déposée à l'INRP et la juridiction est en train d'attendre la réponse officielle
à cette réquisition. Mais avant de vous passer la parole pour votre demande, je voudrais un peu poser une question d'ensemble au prévenu, parce que elle sait que vous avez retiré, vous avez retiré les pièces du dossier, si pas hier ou avant-hier, je ne sais pas. Nous sommes dans les pièces, dans le dossier des pièces. Vous avez, honorable, affirmé votre nationalité congolaise sans mâcher le mot. Congolais d'origine. Mais en examinant le dossier des pièces, la juridiction est en train de se rendre compte que vous êtes de nationalité congolaise, mais vous avez une âme presque rwandaise, en ce sens que l'esprit est ailleurs qu'au Congo. Nous allons vous donner les pièces, l'inventaire de toutes les pièces, susceptibles d'amener la juridiction à cette conclusion. Et vous allez réagir de manière globale. Et peut-être nous allons revenir à la fois prochaine, à l'audience prochaine, et puis nous allons revenir avec en détail après. Vous prenez, par exemple, la pièce numéro 3 contenue dans la Soufarbe 2 en votre possession. Vous avez les pièces. Cette pièce renseigne la participation du prévenu à une société microfinance rwandaise. Microfinance rwandaise. La pièce numéro 4 dans la même soufarbe. Lorsque vous exploitez vos minéraux, au lieu de faire l'expertise au pays, ce sont les minéraux sortis du sol congolais, mais vous faites appel à une expertise étrangère, rwandaise. Donc, invoice, analyse, et tout ça. Nous passons outre le résultat COVID. La pièce côté 10, dans la même soupape. Dans les indices trouvés chez vous dans vos documents, on trouve la monnaie rwandaise, 11 pièces de 100 francs rwandais, alors qu'on n'a pas trouvé un seul franc congolais. Dans la pièce côté 13, dans la même soupape, il y a un acte de déclaration de cession d'une concession d'un immeuble situé à Kigali, au Rwanda. Réservation d'hôtel, pièce 17, dans la même soupape. Réservation d'hôtel au Rwanda. Pièce côté 19. Il y a un certificat de résidence accordé à Madame Umubera Mwangachuchu. Un certificat de résidence au Rwanda. Nous allons dans la soufarbe numéro 3.
à 20h. Ce code-là renseigne qu'il y a un rapport des ventes des billets rondais de la compagnie rondais à rapport réalisé par Angélique Ouingabire, de nationalité rwandaise, qui a même donné son CV pour le rapport d'activité d'une société installée au Rwanda par une Rwandaise. Les comptes 22 à 29. C'est le compte rendu des réunions de Rwandair Express avec les staffs et le personnel. Les comptes 32 à 44. Vous êtes congolais. Et voilà qu'on vous donne, on vous envoie un jugement d'une juridiction populaire appelée Gakaka. Gachacha. Moi, je l'ai dit en français. Gachacha, au Rwanda, dans le secteur de Mubanga, district de Kabongi. Les côtes 45 à 48. Il y a trois photocopies des passeports rwandais. Les photocopies sont là, les noms. Les Rwandais, vous êtes congolais, mais. Et il y a Rohango. Mademoiselle Kalissiroa. Il y a Mademoiselle Ouangabire, celle qui a fait rapport des activités de Rwandais. Se retrouve dans les effets d'un Congolais d'origine. Les codes 56 à 65. Il y a un rapport sur le contrôle de gestion des stocks du camp des travaux d'Internet Général TGI de Mugina, du TECO, Kigali au Rwanda. Les codes 49 à 55. Encore un compte rendu des réunions de Rwandair Express avec le staff du personnel. Les codes 66-67. Une demande d'un passeport rwandais par mademoiselle Angélique Ouingabire au directeur général d'immigration du Rwanda. Document qu'on retrouve dans les affaires d'un Congolais d'origine. Code 68 à 70. Car le débit de construction d'une maison d'habitation à la commune de Remera, au centre de Kigali. Ou 72, demande d'un permis de conduire rwandais. La demande est allée au dossier. C'est une lettre adressée à la police de Kigali. Code 73 à 74.
un contrat de construction à la commune de Kemera, centre entre Ouindabire, Angélique, et Assineza, Alexandre. Des Rwandais qui font le contrat, mais le contrat se retrouve dans les documents, dans les affaires du Congolais, député national congolais. Côte 80-82. Il y a un mariage coutumier et civil organisé à la maison communale de Nyarugeng à Kigali. Une réception au restaurant de Kigali. Bon, nous arrêtons là parce que le temps presse. Voilà, il y a encore d'autres pièces. Prenez seulement note de toutes ces. Pour la prochaine audience, nous allons en débattre. Comme ça, vous allez vous préparer en conséquence. Les collectifs de la défense a reçu mandat de leur client pour pouvoir vous adresser une demande de mise en liberté provisoire. Chacun des collectifs a individuellement écrit, et nous croyons que tous les écrits, au moins l'essentiel, se trouvent dans le dossier. Dans les comités probatifs, voilà pourquoi nous avons déjà joint à la demande toutes les pièces nécessaires qui démontrent toutes nos allégations. Alors pourquoi nous demandons la liberté provisoire pour notre client? La raison est très simple, c'est pour des raisons humanitaires. Notre client est sérieusement malade. Sa maladie n'a pas commencé maintenant, il a des antécédents médicaux, pathologiques. Il est de l'Assemblée nationale et l'Assemblée nationale est affiliée au CELCA et le CELCA détient tous les dossiers. Et donc ce que nous disons ici, ce n'est pas de l'invention. À un moment donné, notre client, en 2019, il a eu un problème de cœur, un problème cardiaque. Ce problème a fait qu'il soit évacué par avion médicalisé. Il s'est retrouvé en Afrique du Sud dans un état d'inconscience totale. Merci au Seigneur parce que tout s'était quand même bien passé. Il a pu être en vie, comme vous le voyez par devant vous. Ce n'est pas tout. Notre bien a eu encore un autre problème de douleur lombaire. Il a eu même l'opération chirurgicale au niveau de sa hanche. Toutes ces opérations, pour ne citer que ça, font que sa santé est totalement précaire. Et que, à cause de ces opérations, il devait de temps en temps aller voir des formations médicales spécialisées pour le suivi, le contrôle et le traitement. Vous avez, et vous allez le constater dans le dossier, qu'il avait un rendez-vous à l'hôpital Saint-Luc de Belgique. Il avait un rendez-vous en Afrique du Sud. Il avait un rendez-vous à l'hôpital de Dubaï, aux États-Unis d'Amérique, toujours pour le contrôle des suivis. Malheureusement, le présent procès a fait qu'il soit mis à la disposition de la justice et que ce rendez-vous n'a pas été tenu. La conséquence, vous l'avez vu venir marchant lui-même aujourd'hui, il a débuté. Aussi, la haute cour, même l'auditeur général doit être bien mieux informé. Le client a passé plus de 16 jours au dispensaire de la prison.
et j'ose croire que tous les rapports de sa santé, de son infirmerie, vous êtes déjà parvenus. Voilà pourquoi nous disons, nous jugeons nos semblables. C'est un cas humanitaire. Si nous voulons avoir la vérité, nous tous nous tenons à ce que la vérité puisse éclater dans cette affaire où notre client est présumé innocent jusqu'à la preuve du contraire. Mais il faudrait qu'il soit en vie. Mais il faudrait qu'il soit fort. Mais il faudrait qu'il soit moralement haut pour pouvoir, n'est-ce pas, faire éclater la vérité que tout le monde attend dans cette affaire. Voilà pourquoi cette vérité, vous n'allez pas la voir si le pire arrivait. Parce que sa santé dégénère, progresse chaque jour. Nous chutons en disant, nous allons être bien complétés, en disant que la Constitution de la République, l'article 17, dit que la liberté, c'est la règle, mais la détention, c'est une mesure exceptionnelle. Il est là, par devant vous, jour pour jour, depuis le 1er mars. Vous comptez mars, avril, nous sommes à la fin du mois de mai. Ça fait pratiquement 3 mois qu'il est incarcéré et que sa santé ne fait que regresser. Nous craignons le pire. Qu'il vous plaise de lui accorder la liberté. Parce que c'est quelqu'un de bien, quelqu'un connu. Sa fuite n'est pas à craindre, son identité n'est pas douteuse. C'est un député national. Il vous promet qu'il répondra à tout appel, à toute réquisition de la justice. Il est prêt à répondre à n'importe quelle condition que vous allez lui donner, tendant à garantir sa compartition par devant vous, monsieur le président. Il vous plaira de considérer que cet état humanitaire est un problème de santé qui demande non seulement la prise en charge par des formations spécialisées, mais aussi un suivi régulier dans une situation acceptable. J'ai dit, monsieur le président, la défense a déjà répondu à sa propre question. La défense a déjà répondu à sa propre requête. En effet, l'article 60, dans tous ces années, c'est parti que nous avons. Vous avez dit la lumière que nous avons lu tous les jours. Si le médecin estime qu'en raison de la gravité ou de la nature de la maladie, il est impossible de soigner les détenus dans la prison, les camps de détention ou la maison d'arrêt, celui-ci est conduit à la formation médicale ou hospitalière la plus proche. Alinéa 2. À la formation médicale ou hospitalière, le détenu est placé dans une chambre séparée, sa garde est assurée par la police locale. Alinéa 3. Si le malade ainsi transféré est un prévenu, le gardien est tenu d'avisé du transfert sur le champ de l'autorité judiciaire et l'inspecteur territorial compétent chargé de la direction des sections de la section d'inspection de l'établissement pénitentiaire. Monsieur le Premier Président, nulle part, la loi dit que quand le président est malade, un détenu, on lui accorde la liberté provisoire. Bien au contraire, il est organisé, il nous dit que c'est la situation pénitentiaire. Dans les cas où il y a un rapport médical qui estime que le soin du prévenu n'est pas adapté à la prison, maison d'arrêt, c'est la situation pénitentiaire qui se charge. Et l'autorité judiciaire n'est qu'avisée. On ne demande même pas, la situation pénitentiaire ne demande même pas la vie.
de l'autorité judiciaire. Ne demande même pas l'autorisation plutôt. Avisez seulement la décision pénitentiaire. Prends des dispositions pour l'évacuer au centre le plus proche, pour les soins appropriés, sous la garde, sous l'escorte, et on avise l'autorité judiciaire. Voilà ce qui se passe, monsieur le président. C'est ce que dit la loi. Pour des raisons humanitaires, c'est vrai. Les juges peuvent accorder la liberté pour eux. Mais qu'on ne dise pas que cette loi-là demande aux juges d'accorder la liberté provisoire pour que le détenu aille se faire soigner. Non. La décision pénitentiaire doit s'assumer de se prendre en charge. Et l'autorité judiciaire n'est qu'avisée. Dans le cas d'espèce. L'article 32 du Code de procédure pénale donne les conditions de cette décision. Cela nous conditionne pas, c'est l'article 45 qu'on évoque avec le cas d'espèce. Renvoie à cet article 32 la même condition. Au niveau, article 32, c'est l'unité publique, au niveau des missions préparatoires. 45, c'est à ce niveau-là. Ce sont les mêmes conditions. Là, l'article renvoie aux mêmes conditions. Et au-dessus de tout cela, il ne faut pas que l'instruction soit entravée. Parce que là, on entend, c'est d'une façon éparpillée. Tantôt, on a donné CRCCC, on a annexé ce rapport médical, où on voit que il y a le prévenu devait voyager par-ci par-là à des rendez-vous médicaux par-ci par-là à l'étranger, en Afrique du Sud, et Saint-Louis à Belgique, et Dubaï, par-ci par-là. Maintenant, parce que la loi dit qu'à tout moment, les juges ou les ministères publics, les juges, la ministère publique aura des décisions préparatoires, les juges, quand il a la nécessité, peut faire venir. Mais si monsieur est à l'étranger, quel est le pouvoir que les juges congolais que vous êtes a pour faire venir un monsieur, pour contraindre un monsieur qui est à l'étranger de venir comparer ici? Parce qu'on doit savoir, la liberté provisoire n'implique pas la suspension des instructions. La liberté provisoire, c'est une possibilité pour d'autres prévenus de venir comparaître tout en étant libre et ne plus être en détention, mais de venir comme l'instruction dans ce contingent doit se poursuivre. Donc on donne au prévenu. La liberté provisoire, c'est ça le sens de la liberté provisoire. La liberté provisoire n'implique pas la suspension de l'instruction. Non. La liberté provisoire implique l'instruction doit continuer, mais le prévenu vient comparaître en état de liberté. Maintenant, quand on vous demande là, c'est comme si il faudra suspendre l'audience, je ne sais pas, pas le cas. Alors il y a un co-prévenu dans cette cause-là. Qu'est-ce qu'il devient le co-prévenu dans cette cause? Qu'est-ce qui devient le co-prévenu? Qu'est-ce qu'il devient en ce moment-là? Parce que le droit, tout le monde est égal devant la loi. Qu'est-ce qui devient le co-prévenu en ce moment-là? Monsieur le Premier Président, nous pensons que l'article 60 est clair. Le prévenu contre la loi, on peut l'évacuer sous l'administration pénitentiaire. C'est même pas les juges qui décident de cela. C'est l'administration pénitentiaire qui décide de l'opportunité, après les rapports, après avoir eu le rapport reçu des rapports médicaux, qui décide de l'opportunité de faire cela. Nous avons dit. Je prends la question en dérivé. Elle va vous départager par son arrêt à l'audience prochaine. Là où était l'audience vendredi. Pour ça, elle aura le temps de vous lire vos notes et poser les notes le plus tôt possible pour que la haute cour puisse vous rencontrer et vous répondre de manière objective. Le corps est là. Et prend la cause, l'incident ou la demande en délibéré. Je crois qu'il est. Nous avons pratiquement dépassé le temps. Voilà la RDC qui veut parler. Oui. Donc nous avons trouvé que leur édition sera nécessaire. C'est plus facile de déposer les noms au greffe. Pour la haute cour, dormons mardi, le 30.
mardi 30 à 9h comme d'habitude. Aujourd'hui, la Haute Cour a remarqué que les avocats des prévenus sont arrivés avec un léger retard, c'est ainsi qu'ils ont commencé à prendre retard. C'est l'ordre du militaire, mon général, et bien c'est suspendu. À mon pied, repos. Ah, non, mon général. Oh, Mission TV, le miroir du monde.